Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare et en l'occurrence ici c'est un nouvel épisode de Un jour un accord. Dans cet épisode, je vais vous montrer quelques-unes de mes positions favorites pour jouer un accord majeur 7. Peut-être que dans l'eau vous en connaissez quelques-unes, si c'est le cas tant mieux, et sinon bah, vous allez en découvrir de nouvelles. Alors la première position, ça va être celle-ci. Position que j'affectionne particulièrement. Alors ici, rien de compliqué. De quoi il s'agit? On va avoir dans le grave une triade de Do. Tous les exemples que je vais vous montrer ici sont en Do majeur. Ce sera à vous ensuite de les transposer. Donc on a notre triade de Do. On a ici le Sol à la basse, le Do et le Mi. Donc une triade de Do en second renversement, à laquelle on va rajouter la septième majeure, le Si. Deuxième position, très proche de la précédente. Ici, en partant de la position précédente que je vous ai montrée, on avait ça. Et bien, en gardant cette position, je vais tout simplement mettre ce Do ici, à l'octave supérieure. Et le jouer avec le premier doigt sur un accord de Si, première case. Troisième position qu'utilise énormément Alan Holdsworth. Donc ici j'ai mon Do, la fondamentale. Avec le petit doigt corde de Ré, je vais avoir la septième majeure. Je vais avoir le redoublement de ma tonique, ici sur la cinquième case, corde Sol. Et en dessous, sur la corde de Si, je vais avoir la tierce majeure. En partant de cette position, on peut l'enrichir en rajoutant, pourquoi pas, la neuvième. Et dans ce cas-là, on va jouer cette position. Donc c'est la même position précédemment. Mais au lieu de redoubler la tonique, eh bien on va tout simplement jouer la neuvième. Ici un Ré, corde de Sol, septième case. Enfin, dernière position, celle-ci. Qui est le premier renversement en drop 2. C'est-à-dire que si je pars de cet accord, son premier renversement, à partir de la tierce majeure, ça va être celui-ci. Donc que je peux jouer soit dans cette position, sur les cordes de La, Ré, Sol et Si, soit sur les cordes de Ré, Sol, Si et Mi, comme ceci. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à transposer les positions d'accords que je vous montre. Si vous aimez le contenu proposé, eh bien pour soutenir la chaîne, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de laisser un commentaire, de cliquer sur la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Et j'en profite aussi pour dire, si vous avez une quelconque requête sur des accords à traiter, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou par message, peu importe. A bientôt, et d'ici là, faites de la musique.